Mais qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse tour de l'horloge? On va aller voir ça tout de suite. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui on se retrouve pour la sixième partie sur l'esprit du professeur Layton et l'étrange village sur Nintendo DS. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait retrouvé le chat de cette fameuse baronne Reynolds. Mais le problème, c'est qu'un meurtre a été commis, le meurtre de Rupert, et il y a quand même beaucoup de suspects, tout le monde est suspect. Mais il y a quelqu'un qui est absent lors de cet interrogatoire, il s'agit de Ramon, et on doit aller essayer de le retrouver, ce Ramon qui est toujours en liberté, on ne sait pas vraiment où il est. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais avant ça, souvenez-vous, dans un épisode précédent, on avait la maison des mystères qui était maintenant ouverte. On va essayer de s'y rendre avant d'aller d'un tour de l'horloge. Regardez, il y a une énigme incrustée dans cette porte. C'est drôle, j'aurais juré qu'elle n'y était pas il y a une minute. Fascinant. Cette énigme semble servir de serrure à cette porte. Extraordinaire. Luc, mon garçon, tu veux bien te charger de cette énigme? La porte va probablement s'ouvrir si tu réussis. Énigme 58, boule perdue, première partie. Arriverez-vous à sortir la boule rouge? Faites glisser les blocs pour libérer le passage. Ce problème peut être résolu en 12 déplacements. Alors, comment on va bouger tout ça? 12 déplacements, hein, qu'on a dit. Ok. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, GG, il gère la fougère. On va faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et ben c'est pas mal. Et ben parfait. Bon, j'aurais mis 13 déplacements, mais au moins j'ai réussi à sortir la boule rouge. Beau travail. Tous ces blocs n'ont pas facilité la tâche. En effet. Excellent. Maintenant, nous devrions pouvoir ouvrir cette porte. Et ben allons-y. Oh. Rien dans le seau là? Si, gagné. Bonjour madame. Bonjour à vous. Une énigme vous pose des problèmes? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à la réserve d'énigmes de Mamie Mystère. Mamie Mystère? Où pouvons-nous trouver cette personne? Mais enfin mon garçon, tu es justement en train de lui parler. Pas étonnant que vous ayez du mal à résoudre les énigmes. Enfin. Je suis la magnifique et extra-lucide Mamie Mystère, spécialiste des énigmes oubliées. Magnifique et extra-lucide? Professeur, je comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Allons, Luc, laisse-moi lui parler. Désolé de vous demander ça, madame, mais qu'entendez-vous par extra-lucide? Êtes-vous capable, par exemple, de retrouver des objets disparus ou de lire l'avenir? N'importe quel voyant de seconde zone sait faire ça. À quoi bon prédire l'avenir? Ma spécialité, ce sont les énigmes. Les énigmes oubliées. Comme les énigmes non découvertes. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, non? Allons, cela arrive même au meilleur. Vous voyez ces pauvres énigmes à côté duquel vous êtes passé? Eh bien, je m'occupe d'elles. Je les invite à rester chez moi. Ouais, alors toutes ces énigmes que nous avons oubliées, vous les avez ici? Pas exactement. En fait, je conserve des énigmes qui n'ont plus leur place à Saint-Mystère. Comprends-tu enfin de quoi je suis unique, mon garçon? Allons maintenant, allez voir dans la réserve derrière moi. À l'intérieur, vous trouverez des bocaux, et chacun contiendra une énigme oubliée. Je suis sûr que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la petite collection. Voilà, donc à l'intérieur de cette maison, voilà, il y a des bocaux, et en fait, voilà, il n'y a pas de bocaux. Et en fait, dans les bocaux qui seront ici et là, vont se trouver des énigmes, énigmes que je ne peux plus réaliser pour le moment, et qui sont maintenant chez Mamie Mystère. Parce qu'on a trop avancé dans l'histoire et je ne peux plus revenir en arrière faire les énigmes. Mais bon, pour l'instant, s'il n'y a pas de bocaux, ça veut dire que je n'ai pas raté d'énigmes importantes pour le moment. Bon, messieurs, vous bloquez le passage. Là, j'aimerais bien passer derrière vous. Bonjour, vous avez déjà résolu pas mal d'énigmes, on dirait. Vous ne pouvez franchir cette porte que si vous avez résolu 12 énigmes. Ah tiens, on dirait que c'est chose faite. Bon, très bien, disons que je ne vous ai pas tout dit. Si vous voulez vraiment passer, vous devez résoudre mon énigme. Parce qu'on a déjà résolu plus de 25, hein, déjà. Énigme 35, des drôles de points. Les dés ci-dessous ont l'air bien étranges. Mais en y regardant de plus près, on dirait qu'une certaine logique entre en jeu. Voici ce que vous savez.
A égale à 0, B égale 9, C égale 6. À quoi D peut bien-t-il correspondre? Bon, moi je connais déjà la réponse, elle m'a aussi marqué un petit peu cette énigme-là. Je vais vous laisser chercher un petit peu, mais bon, de toute façon, encore une fois, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez réfléchir. Moi, je vais vous donner la réponse tout de suite. En fait, ici, pour cette énigme, il faut considérer les points des dés comme des horloges, tout simplement. Donc ici, sur le A, bah, il est minuit, sur le B, il est 9h, sur le C, il est 6h, donc sur le D, il est 3h, donc c'est 2-3. Bonne réponse, n'est pas représente les aiguilles d'une montre ou d'une horloge. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Bien joué, vous pouvez passer, vous l'avez bien mérité. Au fait, vous cherchez toujours cet épouvantable chat? Non, nous cherchons à présent un employé de la famille Reynolds, un certain Ramon. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Ramon? Oui, je crois l'avoir vu. Mais où? Vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Posez la question à Lucie sous la tour de l'horloge. Et puis encore une petite bricole. Nous pouvons enfin aller voir ce qui se cache derrière la tour de l'horloge. Je suis si impatient. Je me demande ce qui nous attend au nord du village. Regardez ce chat, professeur. Ce ne serait pas Claudia? Ah non, en fait, c'est un autre chat. Oui, c'est un chat de gouttière. Il a l'air d'aimer tourmenter cette pauvre souris. Tiens, Luc, en parlant de souris, tu connais cette énigme? Énigme 36, trop de souris. Les souris sont connues pour se multiplier à la vitesse de l'éclair. Le type de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois, par portée de 12. Les souriceaux deviennent capables de procréer au bout de 2 mois. Vous avez acheté un de ces souriceaux le jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Alors ça, pareil, encore une fois, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez réfléchir un petit peu à la question. Moi, je vais vous donner évidemment la réponse, car pareil, cette énigme-là m'a marqué. Pareil, là c'est, pareil, on se dit, mon Dieu, alors attends, on a une souris. La souris, elle fait par portée de 12 une fois par mois. Donc on va dire au bout de donc une souris va porter 12 souriceaux en un mois de temps. Donc là déjà elles seront 13. Mais après on va dire donc au bout de 2 mois, ces 13 souris vont porter chacune d'elles vont porter vont mettre bas et vont mettre 12 petits souriceaux les uns à la suite des autres. Donc on peut dire là, on va faire un truc à 12 x 12. Donc 12 x 12, 144. 144 plus les 13 qui ont permis de faire naître ces souriceaux. Donc là, au bout de 2 mois, on serait déjà à un résultat de 157 souris. Voilà, je vais arrêter au bout de 2 mois puisqu'on va continuer, hein, sinon on en continue. Donc le troisième mois, les 157 souris vont mettre bas, chacune d'entre elles va mettre bas 12 souriceaux. Donc ça va faire du 12 x 12 x 12 x 12, et comme ça 157 fois. Plus les 157 souris qu'il va falloir ajouter derrière. Là on va se dire, mais attends, là il faut devenir... Pourquoi faut prendre une calculette à côté, là c'est pas possible. Parce que là c'est beaucoup trop, là on se dit, mon Dieu, c'est des puissances, mais ça va aller loin là. Mais en fait, non. Il faut pas aller si loin que ça. Si on relit bien l'énigme du départ, on nous dit qu'on a acheté un de ces souriceaux le jour de sa naissance. Mais le problème, c'est que pour se reproduire, les souris, bah, il faut qu'elles soient au minimum deux, un mâle et une femelle. Les souris sont pas hermaphrodites. Donc si on n'achète qu'une seule souris dans le magasin, bah, cette malheureuse souris, bah, elle ne pourra jamais se reproduire. Donc elle va rester toute seule. Et donc au bout de 10 mois, bah, j'aurai toujours ma petite souris qui n'aurait pas pu se reproduire. Bonne réponse, votre souris ne peut pas procréer toute seule. Correct, excellent travail Luc. Un morceau de tableau, pas mal. Bonjour, c'est vous Lucie? Oui, c'est bien elle. Vous faites quoi? Je vois que vous voulez me poser une question.
mais vous devez répondre à une énigme avant. Mon frère et moi, on l'a inventée ensemble. Vous voulez bien essayer ? Énigme 37, affaire de famille. Un garçon et sa sœur discutent tranquillement dans la cuisine. Tu sais, sœurette, si j'enlevais 2 ans à mon âge et que je te les donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Et pourquoi ne me donnerais-tu pas 3 ans de ton âge plutôt ? Cela me permettrait d'être 3 fois plus âgé que toi. Essayez donc de déterminer l'âge des 2 enfants. Alors ici, on a le frère et la sœur. Enfin, la sœur et le frère plutôt. On va aller simplement. Hein. La sœur, le frère. Alors on dit que la sœur, si on enlève 2 ans à son âge et qu'on les donne au frère, tu aurais 2 fois mon âge. Donc le frère aurait 2 fois l'âge à la sœur. Donc on va dire, je sais pas comment on pourrait faire ça. Par exemple, on pourrait dire, je sais pas, si j'enlevais 2 ans à mon âge et que je te l'ai donné, tu aurais 2 fois mon âge. Donc imaginons, si j'enlevais 2 ans à mon âge et je te l'ai donné, tu aurais 2 fois mon âge. Donc je sais pas, imaginons que, comment on pourrait procéder ça? Si par exemple la sœur elle a 11 ans. 11 ans et que le frère en a 16. Imaginons. Si elle retire 2 ans, ça ferait qu'elle aurait 9 ans, lui il en aurait 18. Donc ça compterait. Mais le problème c'est pourquoi ne donnerais-tu pas 3 ans de ton âge plutôt ? Cela me permettrait d'être 3 fois plus âgé que toi. Donc si elle donne 3 ans à lui, donc lui il aurait elle aurait que 8 ans. Et lui en aurait 19. Donc là, ça ne va plus. Ça ne correspond plus du tout. Oh là là, j'ai un peu mal à la tête. On va prendre un premier indice, s'il vous plaît. Merci. Essayez de bien comprendre chaque élément de l'énoncé. Si on enlève 2 ans à l'âge du frère et qu'on les ajoute à l'âge de la sœur, elle devient 2 fois plus âgée que lui. Mais ce n'est pas fini. Si on enlève 3 ans à l'âge du frère et qu'on les ajoute à l'âge de la sœur, elle devient 3. Oui, bah merci beaucoup, indice. Tu me relis exactement l'énoncé. Vous pourriez essayer de résoudre ce problème avec une équation, mais ce n'est pas comme cela qu'on résout une énigme. Si on enlève 2 ans à l'âge du frère, la différence d'âge passe de 4 ans. Si on enlève 3 ans, la différence d'âge passe de 6 ans. Une différence d'âge de 4 ans rend la sœur 2 fois plus âgée que le frère. Une différence de 6 ans la rend 3 fois plus âgée que son frère. Oui, mais ça m'aide pas des masses. Bon, on va prendre le troisième indice. Hein. Ces 2 enfants sont des jumeaux. Ah ! Évidemment. Évidemment. Alors, si ces 2 enfants sont des jumeaux, s'ils ont 8 ans chacun, on va dire 8 ans. 8 ans, si... non, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Ça n'irait pas. On va mettre quoi ? 9 ans chacun ? Non, ça n'irait pas. De toute façon, c'est forcément un chiffre pair, c'est pas un chiffre impair, c'est pas possible. On va dire 6 ans. 6 ans chacun. Ça, je pense que ça irait. 6 ans chacun... Donc si on retire 2 ans à la fille et qu'on les met au garçon, la fille aura 4 ans, lui il aura 8 ans. Tout va bien. Et à l'inverse, donc si on fait 3, donc ça ferait 3 ans pour la fille, 9 ans pour le garçon, c'est bien 3 fois plus âgé. Donc c'est bien ça. Donc c'est bien 6 ans chacun. 6 ans pour la fille. Non, c'est pas ça que je veux faire. Non, comment on choisit le garçon ? Comment on choisit le garçon ? Mince. Mais non, mais je... Oui, et comment choisir le garçon? Ah voilà, comme ça. Voilà, 6 ans la fille, 6 ans le garçon. Voilà, c'est bon. There we go. Et on est bon. Bon, je suis désolé d'avoir utilisé des pièces SOS. Bon, moi, comme ça, vous jouez avec moi. Hein. Bonne réponse. Les conditions décrites dans l'énoncé de l'énigme ne se vérifie que si le frère et la sœur sont tous les deux âgés de 6 ans. Ce sont tout simplement des jumeaux. Oh, c'était trop facile pour vous ? Tant pis. Dites, vous connaissez Ramon, l'employé du manoir ? Il n'en a pas l'air, mais croyez-moi, il adore sortir. Il s'entend très bien avec Jarvis. Jarvis ? Nous ne connaissons pas cet homme, je crois. Où pouvons-nous le trouver ? Vous voyez, Jarvis n'a pas vraiment de travail. Vous le trouverez dehors près des escaliers au nord d'ici, je pense. Allez vers le nord jusqu'au croisement, ensuite prenez la ruelle sur la droite. Je dois partir.
J'espère qu'on se pourra rejouer ensemble. Ah, encore une bricole. Alors par contre, on n'a pas des nouveaux mystères là? Si. On va la garder. Oh oui, on a pas mal de trucs. La tour de l'horloge sépare le nord et le sud du village. Nous devons enquêter au nord du village. Mais comment traverser le bâtiment? On s'est déjà fait. Un gentleman d'une taille impressionnante et répondant au nom de Max se tient devant la tour de l'horloge et refuse de laisser passer ceux qui ont résolu moins de 12 énigmes. Cela n'a rien d'impossible, cette requête est juste incongrue. Tous les villageois ici ont l'air d'adorer les énigmes. Nous avons réussi à atteindre le nord de Saint-Mystère. Cette partie du village est un vrai dédale. Enfin, nous devons continuer notre enquête. Nous finirons bien par trouver quelqu'un qui saura ce qui est arrivé à Ramon. Et c'est le cas, hein. Maintenant on sait à peu près où il est. Tiens, avant ça, il n'y avait pas une petite pièce? Si, voilà. Parce que là, des pièces, j'en dépense un peu, là. Oh, bah tiens, on va déjà parler à madame qu'on connaît très bien. Aïe, 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 il ne va vraiment rien vous arriver de bon ce mois-ci. Je vous conseille de résoudre mon énigme si vous voulez éviter ce destin terrible, voire funeste. Énigme 39, d'un seul trait, deuxième partie. Le principe d'un dessin en un trait est que, une fois votre crayon en contact avec la feuille, vous ne pouvez plus le relever. Vous ne pouvez pas passer deux fois au même endroit, mais vous avez cependant le droit de croiser le tracé. En suivant ce principe, regardez les quatre dessins ci-dessous. L'un d'entre eux ne peut pas être tracé d'un seul trait. De quel dessin s'agit-il? Alors là, on a des nœuds, on a des lunettes. Bon, de toute façon, les lunettes, si je veux commencer par les lunettes, on peut commencer comme ça. Comme ça, comme ça. Ouais, on peut repasser là. Enfin, il y aurait un truc. De toute façon, quand on a fait des anneaux, on a déjà fait un truc avec des anneaux. Donc, de toute façon, je pense que les lunettes, ça peut être très facilement faisable. Il suffit juste de trouver le bon chemin et ça passe tout seul, quoi. Mais de toute façon, les ronds, je les ai déjà fait dans l'épisode précédent. Donc, normalement, je pense que les lunettes, on peut le faire. Ok. Au niveau de la bâtisse. La bâtisse. Ouais, on peut faire ça comme ça. Ah oui, mais là, je vais remonter. Donc là, ça ne va pas. Comme ça. Voilà, la bâtisse, c'est bon. Je l'ai fait. Le chapeau. Alors le chapeau, comment je vais commencer avec le chapeau? Comme ça, on va commencer par le bas. Comme ça. De toute façon, je vais être obligé de remonter. Mais le problème, c'est que je vais casser ici. Donc là, ça n'ira pas du tout. Ça ne va pas aller si je fais comme ça. Ouais, mais qu'importe en fait où je vais. Parce que là, si je fais ça, je vais trop à nouveau bloqué. Bon, on va dire l'anon et le nœud. Le nœud, il y a plein de similitudes. Je pense qu'on peut faire aussi un truc dans ce genre-là. Comme ça, je pars ici, je remonte. Ouais, il doit y avoir un truc avec le nœud. Je vais dire le chapeau dans ce cas-là. On va répondre le chapeau. Ouais, c'est le chapeau. Je voyais pas comment faire le chapeau. Bonne réponse. Lorsqu'on observe ce genre de dessin, il faut se concentrer sur les intersections. Comptez le nombre de traits qui partent d'une intersection et voyez s'il est pair ou impair. Si toutes les intersections contiennent un nombre pair de traits, ou si seules deux intersections contiennent un nombre impair de traits, alors le dessin en question est possible à réaliser en un seul trait. D'accord. Eh bien, c'était rapide. C'est ce mois de malchance qui vous a fait peur? Désolé de vous dire ça, mais on peut pas changer son destin. Vous allez devoir faire avec. Ok, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Les indices sont là. Vous voulez me demander quelque chose, non? Inutile de nier, je le lis sur votre visage. Je vous répondrai dès que vous aurez résolu cette énigme. Énigme 38, le pont des îles Kouai. Vous vous trouvez sur l'archipel de Kouai et vous souhaitez visiter chacune des îles le composant. Les autochtones vous affirment qu'il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A et en finissant sur l'île B, à moins de construire un pont supplémentaire. Intéressé par le défi, vous vous penchez sur le problème.
Vous n'avez pas le droit de construire un pont par-dessus un autre pont déjà existant. Où devriez-vous placer le nouveau pont ? Alors comment ça marche ? C'est entre deux îles, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça sera entre deux îles, en fait. D'accord. C'est entre deux îles. Alors, on commence avec le A. Et donc, il faut que je fasse toutes les îles, c'est ça ? Il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de A jusqu'au B, à moins de construire un pont de plus. Alors, comment je pourrais me procéder ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Non, là, ça n'ira pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ou 9, 10. Non, on va faire 9, 10, 11. Moi, je mettrais bien entre ces deux-là, alors. Parce que là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le problème, c'est que si je pars là, je pourrais plus faire demi-tour. Parce que je peux pas revisiter la même île. Donc ça n'ira pas. Donc je vais dire entre là et là. On va dire entre ici et là. Peut-être que ça ira. Croisons les doigts. Oui, c'est ça, parfait. Nickel. Bonne réponse. Allez, Oust, allez visiter ces îles paradisiaques. Je le savais. Un collègue détective. Cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes. Je crois pouvoir dire que vous êtes aussi, presque aussi doué que moi. Ma méthode, c'est les yeux. Les yeux ne mentent jamais, sauf exception, que je ne laisse jamais filer. Encore une bricole, très bien, je prends. Ok, une petite pièce, très bien. Le café ne semble pas être encore ouvert, bon. Elle m'avait dit où ? À gauche, c'est ça qu'elle m'avait dit ? Marché, bonjour monsieur. C'est vous Max ? Non, c'est pas lui. Auriez-vous une minute ? J'aimerais avoir votre avis d'expert sur cette énigme. Énigme 40, l'âge de mon père, 30 picards. Un père et son fils sont en train de discuter quand ce dernier demande « Papa, j'ai 22 ans, mais quel est ton âge déjà ?» Le père répond « Mon âge correspond à la somme de ton âge et la moitié du mien. » Quel est l'âge du père ? Alors, mon âge correspond à la somme de l'âge du fils et de la moitié de celui du père. Bah c'est 66, non ? Si je fais 66, mon âge correspond à la somme de ton âge, donc 22, et à la moitié du mien. Non, ça fait 33, non, ça va pas, ça ferait 55. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, ce serait quoi ? 60... De toute façon, déjà, c'est un nombre pair, ça c'est sûr. C'est un nombre pair. Réfléchissons un peu. On va mettre un petit chiffre. On va mettre 36 par exemple. 36 ans. Si je divise par 2, ça fait 18. On passe à 40. Donc là, ça n'irait pas. 42 peut-être. Non, puisque 42, la moitié, ça ferait 21. Donc là, on serait à 43 ans. Donc ça ne va pas. Mais on se rapproche. Donc ce serait 44 alors du coup. Et là, je pense qu'on est bon. Puisque 44, on a 22. La moitié de 44, c'est 22. 22 et 22 font 44. Donc c'est bien ça. C'est bien 44. Bon, là, j'avoue, je l'ai fait un peu par tâton, mais... Bon, après, là, c'est des énigmes où on peut trouver à tâton. Voilà, parfait. Impeccable. Bonne réponse, si la moitié de l'âge du père plus l'âge du fils correspond à l'âge du père, alors l'âge du fils est égal à la moitié de l'âge du père. Le fils a donc 22 ans, le père a donc 44 ans. D'accord, mon raisonnement était bon. Un grand merci pour votre aide. Désolé de vous avoir fait perdre du temps. Bonne journée. Ah, encore une bricole, décidément. On en a des bricoles. Ce marché est bien achalandé, oui, si tu veux. Pas de petites pièces SOS dans le coin ? Non ? D'accord, on peut aller de l'autre côté, alors allons-y. Belvédère, bonjour monsieur ! C'est vous Max ? Pas Max, mais Jarvis, oui, voilà, c'est ça. Je vais vous dire, ces derniers temps, Saint-Mystère est devenu un endroit dangereux. Tenez par exemple, je n'ai pas vu Ramon depuis hier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait disparu.
Je ne sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça. Depuis peu, ça arrive tout le temps. D'un coup, ils disparaissent. Fuit ! Il ne fait pas bon se promener seul le soir, je vous le dis. Eh bien, pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces mystérieuses disparitions ? À vrai dire, je n'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Ah, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous devriez parler de ça à Zappone. Il pourra peut-être vous en dire plus. Il paraît qu'il sait tout sur tout, celui-là. Zappone, vous dites ? Où pouvez-vous nous le trouver ? Attendez, vous voulez dire que vous ne l'avez pas vu en venant ici ? Si, si, on connaît très bien. Un type un peu mou avec une drôle de petite moustache. Vous reconnaîtrez quand vous le verrez. Eh bien, difficile de trouver une bonne piste dans cette affaire. Cette journée est loin d'être finie, Luc. Nous en apprendrons peut-être plus en parlant aux villageois. Ok, donc là, il y a un nouveau truc qui s'est mis en place. Alors, collecte d'informations. Jarvis nous a dit qu'un homme du nom de Zappone pourrait peut-être nous fournir des informations utiles. On trouvera ce Zappone devant le café, là où les routes se croisent. Oui, on l'a déjà croisé, hein, celui qui nous a donné déjà une énigme. Et au niveau du mystère, nous avons ici les enlèvements. D'après la rumeur, de nombreux villageois ont été victimes d'enlèvements ces derniers temps. Les personnes qui disparaissent semblent être celles qui se plaignent de fatigue ou souffrent d'autres problèmes de santé. Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui... À vrai dire, je n'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Ok. Rien d'autre à nous dire. Bon, on va redescendre. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, jeune homme. Dites-vous, à tout hasard, vu une belle pièce dans le coin. J'aurais juré que j'en avais perdu une par ici. J'ai tendance à perdre beaucoup de choses ces temps-ci, et cela commence à me coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous voulez bien m'aider à résoudre ce petit problème ? Énigme 41, pièce jaune. Mon Dieu, quelle horreur. Une ficelle et des pièces sont placées comme ci-dessous. Alors que vous tirez sur les extrémités de la ficelle, celle-ci se tend séparant les pièces en deux groupes distincts. En supposant que vous récupérez toutes les pièces qui seront tirées vers le haut, combien de pièces allez-vous gagner ? Alors là, vous voyez, j'ai même pas envie de chercher. Je vais vous laisser chercher, je vais vous donner les indices, puis je vais chercher la solution. Parce que moi, j'ai pas envie de chercher, je vous le dis. Il n'y a pas de piège, il suffit de se montrer consciencieux et de compter les pièces. Vous pouvez utiliser votre stylet pour suivre la ficelle, en repérant la partie qu'elle tirera vers le haut. Vous devriez être en mesure de trouver la réponse très facilement. Il y a 32 pièces au total. En tirant sur la ficelle, vous n'en récupérez même pas le tiers. Même pas le tiers. Alors celle-là, elle est en dessous. Regardez celles qui sont au-dessus. Celle-là, elle est en dessous. Passe ici. Alors celle-là est au-dessus, ça fait une. Une. Celle-là est au-dessus, ça fait deux. On va essayer de le faire quand même. Hein. Celle-là est au-dessus, ça fait trois. Celle-là est en dessous. Celle-là est en dessous. Celle-là est au-dessus, ça fait quatre. Celle-là est au-dessus, ça fait cinq. Celle-là, ça fait six. 7, 8, attends, elle a dit pas le tiers, hein, c'est ça, 8, 9, 9, celle-là elle passe en dessous, celle-là aussi, 9, 9, 9, 9, 9, là ici je fais le tour, 10, de toute façon on a dit même pas le tiers, donc ce serait 10, on va dire 10, même pas le tiers. Vu qu'il y a 32 pièces et que je peux même pas en récupérer le tiers, on va dire 10. Non, c'est pas 10. Ah oui, tu t'es trompé, en effet. Un peu de patience et vous arrivez à trouver la solution. Mais non, j'ai pas envie, tu vois. On reprend. Énigme 41, pièce jaune. Alors là, vous voyez, j'ai même pas envie de chercher. Je vous jure, j'ai pas envie de chercher. Ah, voilà. Alors, combien qu'il y a de pièces ? Ah, c'était 9 en fait. Ouais, bon, je. J'ai pas
envie de chercher. Je vous le dis, j'avais vraiment pas envie de chercher. Puis là, je dois mettre fin à l'épisode, donc voilà, j'avais pas envie de chercher. Ok. Bonne réponse, vous allez récupérer 9 pièces. Bien que cette énigme soit très simple, ouais mon cul, suivre les contours de la ficelle peut s'avérer plus ardu qu'il n'y paraît, en effet. Ouais, c'est ça, 9 pièces. En fait, il fallait retrouver les pièces du dessus. Ouais, mais voyez, j'ai mal joué là. Eh bien voilà, un homme intelligent, maintenant faites-moi plaisir, aidez-moi à retrouver cette pièce. Ok, j'ai obtenu une nouvelle bricole, très bien. On peut pas entrer? Non, la porte est fermée. Pas d'autres énigmes, il n'y a pas une petite pièce qui se cache? Si, voilà, merci. Ok, on va revenir en arrière. Voilà, et le voilà, ce fameux zaponné. Mais on lui parlera la prochaine fois, donc concernant ces fameux enlèvements. Allez, on s'arrête là. Donc c'était top top.